Ok, bonsoir. Dites-moi franchement, entre le chauffeur de Baka et son apprenti, qui est le patron? Comment? Ça dépend. Bon, si vous sortez d'ici, allez vous entendre et puis vous allez partir à la maison et vous allez trouver. Si tu veux savoir qui est le patron, va à la gare et demande au chauffeur, « Chauffeur, tu vas où ?» Il dit, « Ah, tu vas, moi, il ne sait pas, il faut demander à l'apprenti. » Parce que lui-même, il ne sait pas où il va, en fait. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est les gars, quand ils se réveillent en 6h et 4h, on entend ce qu'ils disent, mais on ne comprend pas. Le gars, il se réveille, « Diame, 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 Berthe, Berthe, en bas du pain, rognon, en bas du pain, rognon, Berthe, Berthe, Berthe. » C'est quoi ça? On entend ce qu'il dit, mais on ne comprend pas effectivement. Moi, ce qui me plaît chez eux, c'est quand ils veulent encaisser. Ils ferment la portière et puis ils disent, voilà. Deux devant, devant à côté, devant au milieu, transport. Avec la monnaie, je viens de monter. Voilà, transport. Et là, viens, pardon, faut réveiller Tanti qui dort. Ouais, Tanti, donne pour toi. La vieille mère, elle donne une pièce de 200 francs. Il prend, il dit, ah non, vieille mère, tiens, ton pièce là est trop lisse. Et la femme dit, non, on ne dit pas ton pièce, on dit ta pièce. Il dit, ah, façon c'est lisse là, on dirait c'est pièce garçon. Et il continue, ouais, transport, transport. Le me... Ah, tu as vu, non? Tu as vu? Vous avez donné 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000, 2000, 2000. Moi, je n'ai pas monnaie, je vous ai dit non. Je n'ai pas monnaie. Si on arrive à gamer, je vais voir. Saucier. Si vous voyez deux personnes à la liberté qui se suivent sans se parler, c'est que l'apprenti les a associés. Celui qui a l'argent, il est devant. Et puis, à un moment donné, il s'arrête et puis il dit, on n'a qu'à boire l'eau. Et puis l'autre, il répond, aïe, qui t'a dit qu'il y a soif? Tu vas où? Il dit, je vais à Benjerville. Et toi, je vais à Bobo. Bon, tu vois, on va passer l'échangeur. Il y a une station en bas là-bas. C'est là-bas que Benjerville charge. Vous connaissez bien le coin, non? Voilà, donc il le suit pour 100 francs. Il le suit. Il s'en va prendre 100 francs. Et puis, il retourne. Pour aller derrière Cinéma Liberté, pour aller prendre Baka da Bobo. Vous voyez comment 100 francs fatiguent les gens? Et ça, j'étais dans un Baka là, je partais à Yopougon, on passe par le sable. Sable, 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 personne ne descend. Après ça, on trouve Cyporès. Cyporès, 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 personne ne descend. Figayo, 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 personne ne descend. Kenya, 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 personne ne descend. Saint-André, Saint-André, tout le monde descend. Ah, elle connaît, elle connaît. On l'a associé beaucoup de fois. Saint-André, 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 personne ne descend. Ah bon? Il est fâché et puis il dit, pointi, pointi, William pointi, pointi. Personne n'est descendu. Hein? Maintenant, arrivé à Wakouboué, c'est ce que vous appelez score maintenant là. Arrivé à Wakouboué, il y a un feu qui est rouge là. Quand il a tapé, go, 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 il dit, hé, hey, vous là, vous là. Vous regardez ça, il y a fait un renfort, c'est pas qu'on voit. Vous regardez ça. C'est pas qu'on voit, il y a fait un renfort. Maintenant, on arrive à Wakouboué, le feu est rouge, il passe, fia. Il était devant, il dit, mon ami, tu n'as pas vu le feu rouge là? Il dit, bébé, nous on a vu plus rouge que ça là. Hein. On a vu plus rouge que ça. En fait, ça fait plaisir en fait. Normalement, j'ai dit ce sketch-là, j'ai fait ça quelque part. Et il y a un monsieur qui m'a dit, hey, c'est toi déjà un client. Normalement, un apprenti Baka qui doit accoster les honnêtes citoyens que vous êtes, il ne doit pas dire en bas du pain, rougnon, non, non, non. Et même pour encaisser, il doit changer sa manière. Parce que leur façon d'encaisser maintenant, là, c'est désuet, c'est dépassé, c'est démodé, c'est défacé, c'est archaïque, c'est pharaonique. Maintenant, on doit dire, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de notre mini-car appelé communément Baka. Nous tous sommes des hommes. Soyez sereins, je vais vous conduire à bon port. Mais avant, veuillez vous acquitter de votre titre de transport. Je viens de monter, alors soyez indulgents et donnez-moi la monnaie 200.
Si un apprenti baga t'encaisse comme ça, que tu fais parler avec lui, moi-même, je porterai plainte contre toi pour outrage à un honnête citoyen dans l'exercice de ses fonctions. Ah.